N'hésitez pas à utiliser mon lien d'affiliation pour acheter des jeux ou des points FIFA. Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour toute nouvelle vidéo avec un pack opening avec beaucoup donc des petits packs, des gros packs pour le coup, des récompenses rivals, des PP 82+, un petit choix héros aussi, donc Fit Fantasy ou War Cup 87+, et après le petit dernier pack, ce sera le mix pack campagne, et puis voilà, c'est parti. Bon, beaucoup les gars, on a tous ces packs là à ouvrir pour le coup, donc c'est des petits packs, hein. Donc j'ai refait un peu des 80+, faut que j'en refasse un peu encore, faut que j'en fasse encore 4 pour avoir pour débloquer le pack pour le coup, et on a un autre gros pack. On a ce pack là aussi, pack 5 joueurs, on a les deux packs 7 joueurs 84+. J'ai fait aussi ça là, pack 11 joueurs or pour avoir des noirs rares pour les mettre dans le PP 80+. Et j'en ferai après ça beaucoup aussi. On aura déjà tous les petits packs, on fera les 80+, et après on nous verra les plus gros packs. Voilà, voilà. Et puis aussi il y a un choix, le choix héros. Voilà, voilà. Oh, ça se lève. Allemand, MG. Le roi Sané, ok. Bon, beaucoup les gars, on a fait les 80+, pour le coup. Les player picks, on espère avoir un petit icône titan. Oh, ah, mais je l'ai déjà. Je l'ai déjà, Michael Owen. Je l'ai déjà. Après, je peux... Ah, mais le truc, c'est... Ah, mais... si, SBCO, en vrai. Je pourrais valider déjà un truc, parce que j'ai pas encore fait les deux équipes qu'il faut. Vas-y, je vais le prendre. Oh, Busquets. Ok, très bien. Oh, chez Sneak 86, très bien. Oh, un petit boost. Ok. Oh, Depay 85. En vrai, on a des grosses notes. Ça va, ça va. Oh, Casimiro 89. Impeccable. Et ben, on a eu des grosses notes. On a eu une icône titan, mais c'était Michael Owen. Mais bon, au moins, on a eu des grosses notes. C'est assez bien. Slam. Vas-y, les Espagnols, c'est bon, Busquets. Ah, mais je l'ai déjà. Oh là, ça rend ouf. Slave. Ah, Colombien. AG, c'est qui? Ah, Luis Diaz. Bien. Oh, Boost. Ok. Français. AD, c'est qui? Ah, c'est Oliz. Oliz Possible. Mais c'est bien, ouais. 88, en plus, c'est vendable. Franchement, très très bien. Oh, deux boosts, carrément. Ouais, c'est un 79, mais bon. Ça récupère des crédits. Bon, très rapide. Bon, allez. Ouvrons le pack Prime Gaming qui est mal écrit, mais tranquille. On sait même pas ce qu'il y a dedans, là, pour le coup. Donc, on va déjà ouvrir ça. Oh, ça part à gauche. Pas mal. Portugais, non. Ah, c'est bon. J'ai peur qu'il me donne CR7, ça va. C'est Bernardo Silva. Très, très bien. Je croyais qu'il y avait Ronaldo après. Maintenant, il est en prêt, d'accord. Ok. Au moins, il y a 88, c'est pas mal. Allez, les gars. Les plus hors piques, on les ouvre, vas-y, normal, hein. 82+, on ouvre normal. Coucou ma type. Ok, Paul Pogba. Bon. Bon, on va déjà le pack à 50k. Ça, c'est le pack 50k en draft, les gars. J'avais fait une petite draft. Voilà, j'avais fait une petite draft. Full rush kit encore, j'avais fait. Donc, on va ouvrir ce petit pack-là. Et après les autres, bah, les trois, là, on va les faire en mode photo. Voilà, voilà. Pas d'icône titan, j'ai rien. Onini, quoi, j'ai dit Onini, j'allais dire Osimhen et j'ai confondu avec Ndidi. J'ai dit Onini, n'importe quoi. Allez, pack 284+, celui-là on l'ouvre normal. Pas besoin de faire de mode photo pour celui-là. Ça se lève. Belge, MG, Carrasco 85. Okay. Oh, pas de doublon, ça c'est bien. Très très bien. Ok, Bastoni 84. Ok. Ah, vas-y, me fera 2,84, c'est relou. Ah, vas-y, rend ouf. Ah, Rubénez 88. Ok. C'est soit un boost ou soit une icône titan. Ok. Ah, c'est régulier. Ah, Winson.
Ah, je m'attendais trop à ce que ce soit une icône. Dommage. Ah, doublon. Ah, un doublon. J'espère que j'aurai pas Michael Owen. J'espère. C'est un régular, ça va. Oh, une JD 84. Ok. Ah, vas-y, arrête de mettre des 84 là. Vas-y, le jeu là. Ah, Sommer 85, ok. Rudiger 87, très bien. Navas 88. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il reste une. T'as une icône, t'es un boost, on sait pas. S'il te plaît, s'il te plaît. Vas-y, ça rend ouf, Toni Kroos, c'est bon. Vas-y. Ah, vas-y. Ah, trois doublons. Oh là là. Oh là là là. Là, c'est sûr, là, il y a Ruben Dias, Toni Kroos. Hein, je vous le dis, c'est sûr et certain. Ok, Thomas Partey. Ok. Dzeko, ça va que des 84 pour l'instant. Oh, nique-toi. J'ai envie de l'enculer, le vieux. Hein. C'est pas possible. Daglish, en doublon. Nique-toi. Les deux seules icônes que j'ai eues en plus, c'était Daglish et Owen, et on les a eu en doublon. C'est ouf. Enfin, c'est lui en vrai de l'animation, non? Je pense pas que j'ai eu deux icônes, ça m'étonnerait. Hein. Bon, Martinez, plus Martinez, ok, jusqu'au bout. En bon, Ben Yedder. Oh, Skriniar, ok. Là. Modric, voilà. Ok. Allez, héros fut de fantasy ou War Cup 87 plus, on espère. Au moins un fut de fantasy, mais qu'il soit bien, tu vois. Enfin, un ou deux, tu vois. Je veux pas trois War Cup, quoi. Parce qu'on en a assez des War Cup, quoi. À part si, bon, tu donnes Lucio War Cup, je prends. Mais bon, préfère des fuites de fantasy. Oh, 76 de physique, ok. Donc c'est un joueur offensif. Ok. Ok, 38 de défense. 83 précision de tête. Bon, c'est un joueur offensif, pour le coup, ok. Oh, 91 d'agilité. 92 en dribble. Ok. Et il est bon en dribble en plus. Ok. En passe, ça va, il est pas dégueu. Finition 89, ok. Puissance de tir 82. Ok. Et en vitesse. Oh putain, il va vite. Ah, c'est peut-être. Alorean, le fut de fantasy, non? Attends, non. Si, non. Ah non, c'est War Cup. Mais c'est qui? C'est Alorean alors, non? Ouais, allez, viens vous niquer, yeah. Nique-toi, nique-toi bien le jeu. Franchement, nique-toi bien. Nique-toi très très bien. Ok, oh, 77 de physique. Bon, joueur offensif encore. En détente 88, d'accord. Précision de tête 91. Ouais, bah, je connais cette carte, je crois. C'est soit Rudy Voleur, soit Forlan. Ok, 90 d'agilité. Ok. En passe, ok. Finition, c'est impeccable. Ah, c'était Smola, non? Smolarek. Ah non. 85 de vitesse. Ah bah c'est Papin. Oui. Bah oui, bah oui. Bah oui, allez. Allez, nique-toi bien le jeu encore. Ok, 89 de physique, ok. Ça c'est une War Cup, je pense. Oh. Ah mais ça, je connais cette carte-là, bah c'est une War Cup. Je sais c'est qui. Ouais, je sais c'est qui. C'est éclaté sa mère. Ouais, finition, c'est très bien, mais... Je sais c'est qui. Oh! Autant pour moi, c'est une fuite fantasy. Ok. C'est une fuite fantasy. Enfin. C'est qui? Fernando. Oh, Fernando Morantes? Bien, en vrai. Bien, Momo. Enfin, une fuite fantasy, la putain. Il a fallu du temps. J'ai envie c'était une War Cup, parce que vu ses stats, je me suis dit, ouais. On va prendre Momo, hein. Au moins, j'avais déjà joué avec sa base, mais savoir que j'avais jamais joué parce que c'était un SBC pour le coup. Donc, bah, beaucoup en prendre lui. Hein. Bon, beaucoup, les gars, on a tous ces packs là à ouvrir. Donc, il y a des récompenses Rivals. J'ai pas fait les 8 victoires, j'avais pas trop le temps. Donc, voilà. Quand on a le pack 7 joueurs 84+, on en refasse un autre. C'est ressorti aujourd'hui pour le coup. Et après, beaucoup, il y aura le mix campagne pour le coup aussi. On ouvre. Ça se lève. Belge. MC, ouais, ça sera. Ah ouh, Kevin De Bruyne! Kevin De Bruyne! Première fois que je le pack! Kevin De Bruyne! Eh ben, viens, il récompense Rivals en vrai. T'as juste à faire 3 matchs et c'est très bien en vrai.
Kevin De Bruyne, ça c'est cool. Ça se lève, anglais. Dédé Trent, ça c'est bien. En plus c'est vendable, impeccable. Allez, ça se lève. Portugais, DC. Ah, Rumen Diaz. Au moins un hydrogène. Ça se lève. Dernier 80 plus, et ça sera en allemand. AMDC, ça sera Kimmich. Voilà. On a eu De Bruyne et Kimmich pour l'instant. Les deux gros gènes. Et Rumen Diaz aussi. Ah, déjà des doublons. Un doublon, ça va. J'ai les icônes. Hein. J'ai des icônes titans. Hein. C'est des cartes moyennes. Là. Daglish, Owen et puis Torres pour le coup. Ça, c'est un régular. C'est Raphaël Léo. Ok. Ok, Savic. Canales. On va se taper un full 84. Aspas. Ah, 85. Ok. Oh, Verratti 87. Ça, c'est pas mal. Ok. Marquinhos 88. Là, il y a soit un boost ou soit une icône qui se cache. Hein. Ah, c'est un boost, ok. Y'a qui dans la boost, je crois? Eh bien, y'a Griezmann et tout, ok. C'est qui ça? Ah, c'est. Ok. C'est Di Gregorio, ok. Ok, combien de doublons? Deux doublons. Vous allez voir, je vais avoir deux icônes Totti en doublon. Enfin, icône Totti, icône Titan. Là, c'est un régular. Ok, encore Léo. Et c'est un régular, Ramos, ça va. Ça va, 2,84, ça va. On espère que là, ça monte direct, tu vois. Il n'y a pas un 84 qui se casse. Ah bah, 84, Bounou. Ok, déjà là, je peux dire qu'on est dans la merde. Ah bah, 84 aussi. Ah, Chic, 85. Brozovic, 86. Autant vous dire que je pense que les gars, avec carte, ça va être de la merde. Hein. Ouais, c'est un régular. Robertson. Bon, beaucoup les gars, on regarde le petit choix. Donc, mix campagne. Donc, t'as des RTTF, des fut fantasy, des Hero fut fantasy et bah, des fut birthday 87. Donc, voilà. Donc, on espère déjà un petit Hero fut fantasy, je dirais pas non. Après, le RTTF, j'en ai déjà plein. Donc, en vrai, je serais un peu mitigé quand même d'en avoir. Hein. Sachant que j'en ai déjà pas mal. Et un fut birthday aussi, pourquoi pas. Hein. Si je joue au Félix, c'est un petit Gendouzi, pourquoi pas. Donc voilà. Et on va faire en mode stat, les gars. On fera le premier avec stat, l'autre on fera, défilera avec l'image. Et ainsi de suite. Voilà. Alors déjà là, c'est une carte quoi ça? C'est quelle carte ça? Fut Fantasy, non? Pas si c'est. Je crois que c'est Fut Fantasy. Hein. Je crois que c'est Fut Fantasy, mais je suis pas sûr. Et est-ce que c'est des RTTF? Non, RTTF, ça serait pas, il n'y aurait pas du vert. Je pense que c'est Fit Fantasy, ça, Pau. Ok, 89 de physique, ok. Ok, ok. 36 de défense, peut-être un milieu de terrain ou un DC pour le coup. Ok, 85 d'agilité. D'accord. Alors, c'est un Fit Fantasy. Ah, ou peut-être un petit héros au Fit Fantasy aussi, ça peut être ça. Ça se trouve, c'est peut-être ça. En passe, il n'est pas dégueu. Mais il est très très fort. En tir, bon, beaucoup là, ok. Donc, ça, je pense que c'est un milieu de terrain pour le coup. Et en tir, t'es là quand même 92 en vitesse. Oh, pas en tir, oui, en vitesse. 92 de vitesse, ok. Non, c'est pas un héros, parce qu'il aurait l'a remarqué en bas là. Ok. Et c'est pas. Oh non, putain. Non, je l'ai déjà. Je l'ai déjà, De Marcos. Ah, Fit Birthday, les gars. Alors, Fit Birthday, bah, j'en ai aucun. Ah, bah, si, j'ai Choukouézé. J'ai sous Choukouézé, après, j'en ai d'autres, mais c'est des trucs de objectif ou SBC, donc on a que Choukouézé. Oh, les gars, Brésil. Brésil, ça. Non, ça peut pas être Vini. Ah, c'est Emerson Royal. Ah, j'ai cru à Vini, putain. Ah, ça aurait été beau. Après, ça va, c'est Emerson Royal, en vrai, ça va. Donc ça, pour coup, ok, c'est Fut Fantasy. Ok. Ok, 88 de physique. Ok, ok. 94 d'endurance, d'accord. Un peu d'agressivité. Du terrain, je pense.
89 en défense. Final Fantasy, j'ai joué au tas de Marcos. Moi, des Nazar, que j'avais déjà beaucoup dans. Que j'avais acheté beaucoup. Que j'ai toujours. Donc, pourquoi je crois que j'ai pas de défensif Final Fantasy. Ah si, bah Saliba. J'ai Saliba, mais en prêt beaucoup. Ah, 87 d'agilité. Ok, peut-être un milieu de terrain ou un latéral. En passe, 86 en passe courte, en passe longue, pas dégueu non plus, ok. En finition, beaucoup là, on savait. Et la vitesse, 89 de vitesse. En vrai, pourquoi il n'a pas des stats dégueu hein. Pour un milieu de terrain ou un latéral, je ne sais pas, mais c'est pas mal. Ah, c'est Tagliafico, ben voilà. T'es sûr que c'est un petit latéral. Ok, Tagliafico. Ok. On défile, les gars. Hein. Ah, c'est un fut birthday. Dis, s'il te plaît, s'il te plaît. João Félix, Vini, ce serait bien, putain. Allez. Ou un Guendouzi aussi. Ah, c'est pas Brésil, ça, si, non. Non. Non! 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 Ah, on est mort. En vrai, les gars, c'est soit Tagliafico, soit Emerson Royal. Hein. Après, Emerson Royal, bon, brésilien, pourquoi? Vu que je fêtais le Brésil ce week-end, va pas me servir, hein, vu que j'ai Cafu. C'est quand même meilleur que lui. Et Tagliafico, en vrai, tu vois ce que je veux dire. Après, tu dirais Argentin, bah, tu sais, bah, si, j'ai Acuna et tout, mais. Beaucoup, je vais prendre Tagliafico. On va prendre la note, les gars. On prend la note, allez. Beaucoup, les gars, on reste qu'on a eu, bon, on a eu, encore une fois, des doublons. En truc icône titan, malheureusement, Dalglish et puis Michael Owen, un peu relou, mais c'est pas grave. On est aussi des gros jeunes en régular, ça c'était plutôt sympa pour faire des DLC. Voilà. Après, on a fait bah, le choix héros, c'était Morientes. Au moins, c'est un petit fuite fantasy, c'est pas mal, mais bon, c'est relou d'avoir eu Alorian et Papa en doublon, mais bon, tranquille. Et après, bah, le mix pack campagne, on a pris beaucoup de Tagliafico, c'était la meilleure carte en vrai. Mais ouais, c'est pas mal, mais vu que j'ai déjà Cafu et tout, donc on attaque les ficons, on pourrait peut-être le tester. Il peut up aussi, donc voilà. Donc pourquoi les gars, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Moi, sur ce, je vous laisse quand même. Ciao.